Ces images, vous le savez, font le tour du monde, notamment ces bébés. Il manque de carburant, il manque de tout dans cet hôpital de Shifa. D'ailleurs, les soldats israéliens vont sans doute vous le rapporter. Est-ce que vous allez prendre compte désormais l'urgence humanitaire dans l'enclave palestinienne? Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégriste le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et des Israéliens, et que cette opération qui est pour nous existentielle se fera dans le contexte du respect du droit international. Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond selon vous au respect des règles du droit international et en particulier humanitaire? Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire? Non, moi je ne donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch, vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, je vous pose la question. Non, mais moi je la pose aussi, vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital? C'est impossible. Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain? Donc vous allez faire ici. Oui. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une position politique. Non, Olivier Rabé, vous venez de dire, le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux. Non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ce que vous me dites, là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tsahal. Alors, reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous. Dans l'actualité